Et bonsoir, nous avons fini tout à l'heure The Isle of Dragon. Of Dragon Roar. Pardon, désolé. Bon, j'ai trop vite ma soupe. En tout cas, une autre grotte s'est ouverte. Et on a récupéré la 10e carte. Ce qui fait qu'en théorie, on peut certainement débloquer la vraie fin. On verra ça après, juste après. Mais d'abord la grotte. Attendez, d'abord la sauvegarde, après la grotte. Non, parce que j'ai fini par trouver le naseau du dragon. Et je suis tombé sur l'arc final, bien sûr. Hein, parce que, bon, le zôtre se trouve directement sur le chemin, mais ça aurait été dommage que l'arc se trouve ailleurs, hein, que dans le naseau du dragon. Et on rentre dans la grotte arcanique. Découvrir ce qui se passe. On a entendu un grognement de dragon. Putain, il y a un vrai dragon. D'accord. Dragon rasuki nanika ga aramareta. Shikashi sono sugata wa Magamagashii aura wo matotteiru. Oh, il est magnifique, quoi. C'est Dragon Spunk. Regardez-moi ses ailes, quoi. Oh là là. Et ce bleu. Oh. C'est exactement l'autre avec une peinture bleue par-dessus, hein. Soyons d'accord. Mais il est magnifique. C'est comme ça qu'il aurait dû être, le premier, d'ailleurs. Mais c'est dommage, parce que le premier, en fait, vu qu'il a été torturé... Il a pas arrêté de prendre des coups et tout, ça aurait été bien que ça se voie sur sa carte, en fait. Qu'il soit pas intact, quoi. Qu'est-ce qu'il est beau, quoi. On va rester là à le regarder. D'ailleurs, c'est dommage parce que les veines, elles s'arrêtent au milieu du cou, là. Alors que derrière, elle continue dans les écailles. Et sur l'aile. Et vous voyez, la petite touche de couleur suffit à le rendre démoniaque, en fait. Je regrette presque qu'on puisse pas la voir en rouge. En bleu vert, en jaune. Oh, 400 points de vie, 50 points d'attaque. Oh là là.
le machin rigole zéro quoi. Là je perds des images fichées. Ah ouais, puis j'en perds un max en plus. Deux, trois, quatre, cinq, six. Donc si j'en utilise deux, on a la rencontre à 4, elle va en gagner 1, donc elle pourra faire son attaque. La lumière, ça sert à rien. Même ça, c'est pas terrible. En vrai. Ah, mais 40. Des effets positifs, non? J'en ai pas vu en tout cas. Le truc, c'est que si j'attaque pas.
même pas enlevé la moitié de ses vies. Quoi. Tac de fou, bien. Presque enlevé la moitié de ses vies. Tiens, bien plus dur que... que le dernier boss. Hein. Et puis le combat est dur, hein. Putain. Ça commence à descendre. Oh non, il a élevé mon zéro. Tellement laisse. Thank you.
pas si j'arriverai à le rattraper. Ça, j'aurais dû faire l'autre. Pour avoir un heal. Ce combat était très 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 sympa et très très dur. Dragon no onnen wa harayaka na hohoemi o tataeru to yukkuri to kiete iku. En gros, en fait, on a libéré l'esprit d'un ancien dragon ou de l'ancien dragon le précédent. Et du coup, est-ce que par cela, on s'est pas empêché de le ressusciter? Et du coup, on peut plus ressusciter un truc qu'on a déjà exorcisé, non? Ça me semble compliqué. D'un autre côté. Non, ça me semble quand même compliqué de... ouais, je sais pas. C'est curieux. Parce que du coup, la troisième fin, celle que j'ai faite tout à l'heure, elle marche plus là. Non, si. Quoi que ça expliquerait pourquoi le dragon lui dit pourquoi tu m'as ressuscité, espèce de fou, mais. Pauvre fou. Ouais. あの怨念はドラゴンの本体を無量化するほどの力を宿していた。その力がもし外に出ていたとしたら、君たちは大きな脅威から世界を自称勇者と仲間たちの冒険はまだまだ続く。 Il était vachement plus beau que l'autre.
C'est vachement plus beau que ça aussi. Ah, j'ai tous les monstres. Ah, il y a même des fois. Bon, ma connexion étant ce qu'elle est et l'horreur étant en cours, on va s'arrêter là. Je vous fais des bisous. À bientôt sur Bacal Live. Et là, normalement, vous avez dû entendre un mot sur deux, vu que c'est en train de sauter là tout de suite. Du coup, en fait, ce que je suis en train de vous dire, vous l'entendez peut-être même pas. Je me dis que ça doit faire. Attendez, là, ça a l'air bien. Du coup, je vous dis bonne. Il suffit que je dise ça pour que les images sautent. Allez, bonne soirée à tous. Je vous fais des bisous. On se retrouve très vite sur un live peut-être un peu de meilleure qualité. Bisous, bisous.